Qu'est-ce qu'est une caisse à savon? Comment faire? Ou plutôt, comment la fabriquer? Turn it up! Née aux États-Unis, en 1933, la caisse à savon prend un essor mondial. Un commerçant de savon trouve l'idée de mettre dans les boîtes qui contiennent les savons un plan de construction de véhicules avec les planches. Les enfants se retrouvent dans toutes les rues du pays avec leurs engins. La caisse à savon, qui s'était maintenant trouvé un nom, deviendrait bientôt très populaire. Quelques mois plus tard avait déjà lieu la première course Sockbox en Ohio. Le principe était d'arriver le premier en bas, par élimination directe, sur des pentes exclusivement en ligne droite. Je te dis ça car le 4 juin 2016 une course aura lieu à Rennes en Bretagne, inscris-toi, il reste encore des places pour participer ou alors si tu n'as pas de couilles tu peux venir y assister. Voilà, en gros c'est parti de rien comme toi, maintenant je vais te dire le matériel qu'il te faut. Turn it up! Pour commencer, il te faut une base. Genre une base militaire? Mais non, du coup, pas une base militaire, c'est beaucoup trop gros. Bon, je reprends, donc une base, et si tu me redis militaire, je t'éclate. Ensuite, il te faut des roues. Et non. 3 minimum, ou 4, hein. Bref, tu fais ce que tu veux. Ensuite, il te faut une direction. Je cherche Rennes. Je suis... C'est pas mal. Bon, bref, il te faut des freins. Il te faut un slip coquet. Oh, il est trop beau tout slip. Turn it up! Bref, tu assembles tout ça, n'hésite pas à demander à l'aide de tes potes ou d'adultes consentants parce que vu ta gueule, je crois que tu vas pas aller loin. Ah, un conseil. Turn it up! Il faut que tu lâches les roues pour que les roulements soient dans le game. Vas-y, t'attends quoi? Oh le con, il l'a fait. Turn it up! En gros, cette vidéo aussi, c'est pour te dire que sur Rennes, le 4 juin 2016, cette année, oui mon petit chat, les caisses de Gaston, un groupe de mecs et de meufs chelous, une course de malade qui va réunir plein de participants, consentants ou pas. Et toi aussi, tu peux t'inscrire. Je laisse le lien en description. Et franchement, hésite pas, même si t'as pas les couilles ou si tu veux venir découvrir ça parce que t'as pas de couilles, prends des vidéos, des photos, profitez de cet instant cool. Et en plus, si t'as un cœur, j'espère pour toi, tu peux ramener des vêtements, des vélos, des livres, des jouets, de l'électroménager, tutti quanti, en bon état et qui ne te sert plus, pour les donner à l'association Art et Manière, pour permettre à des gens qui sont dans le besoin de pouvoir profiter de ça. Et ça, c'est cool. Pour ma part, j'ai hâte de dévaler cette pente avec mon équipe, parce qu'on va pas faire quartier. Alors, parce que c'est beaucoup trop gros. Et de deux, que ta gueule. Moi, je vais chier dans les caisses des participants. Et voilà. Allez, salut. Le 4 juin à Rennes. Le 4 juin à Rennes. Le 4 juin à Rennes. Le 4 juin 2016 à Rennes, dans ta ville. Enfin, si t'habites Rennes, quoi. En fait. Sinon, c'est pas dans ta ville. Mais tu peux venir quand même. Ouais.